Bonsoir aux gens qui viennent d'arriver. On va encore attendre quelques minutes jusqu'à 19 h, l'heure où c'est prévu.
Bonsoir à tout le monde qui est arrivé. On va attendre encore quelques instants là, que d'autres personnes se joignent à nous. Ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit. C'est normal de ne pas pouvoir parler puisque c'est une séance d'information. Bonsoir aux nouvelles personnes qui se sont jointes à nous. Il est maintenant 19 h, mais on va attendre encore quelques minutes le temps que les gens arrivent. On attendait jusqu'à une quarantaine de personnes. Je vais vous expliquer rapidement tout de suite, là, je vous ferai le rappel tout à l'heure. En bas, il y a un Q et R pour questions et réponses. C'est un endroit où vous pourrez mettre vos commentaires ou vos questions qui seront considérées. Par contre, on ne va pas répondre pendant la soirée, mais ce sera considéré. Et il y a aussi une section de chat que je vous invite à éviter si possible, mais si vous avez des questions techniques, vous pouvez utiliser le chat. Et également, il y a une fonction pour lever la main, là, mais on ne va pas donner de tour de parole nécessairement, donc ce n'est pas nécessaire de l'utiliser, cette fonction-là. Et c'est normal que vous ne vous voyez pas. Donc, on est seulement les 5 personnes là, de l'atelier urbain et de Val-David là, à être présents. On va attendre encore quelques instants. Les gens se joignent tranquillement, pas vite.
On va commencer dans quelques instants. Ce ne sera pas très long. Merci d'être là ce soir. Au moins, il ne fait pas un gros soleil. C'est moins tentant d'aller dehors. Donc, on peut peut-être commencer tranquillement et si jamais il y a des gens qui se joignent à nous, de toute manière, on leur fera les rappels nécessaires. Donc, je vais commencer. Je me présente, je suis Alex Fortin de l'Atelier Urbain, la firme d'urbanisme qui a été mandatée pour s'occuper du PPU, du programme particulier d'urbanisme du secteur de la Sapinière à Val-David. Et donc, avec moi ce soir, j'ai ma collègue Stéphanie Rocher qui a travaillé beaucoup sur le mandat, qui va pouvoir répondre à des questions. Et j'ai également deux personnes de la municipalité de Val-David qui sont présentes, Sophie Charpentier et Nicolas Lesage. Puis enfin, on est également accompagné de Madame la mairesse Cathy Poulin qui va également répondre à quelques questions. Donc, je vais vous expliquer le déroulement de la soirée. Donc, tout d'abord, un mot de bienvenue là, tout à l'heure, Madame Cathy Poulin pourra s'entretenir avec vous. Ensuite, ma collègue Stéphanie Rocher va pouvoir vous présenter la démarche du programme particulier d'urbanisme, son contexte et les différents éléments de vision, orientation et concepts d'organisation spatiale qui ont été retenus. Ensuite, on va passer à 19h40 là, à une période de réponse aux questions des citoyens. Et en fait, le fonctionnement qui a été retenu pour aujourd'hui, c'est qu'on avait laissé la chance aux gens de poser leurs questions jusqu'à jeudi dernier, donc le 17 juin. Donc, il ne sera pas possible de poser des questions au courant de la soirée, mais par contre, plusieurs questions seront posées. Moi, je vais poser les questions et soit ma collègue Stéphanie Rocher ou la mairesse Cathy Poulin pourront y répondre. Donc voilà. Et par contre, dans le fonctionnement du webinaire, là, c'est normal que vous ne vous voyez pas entre vous, mais on est accompagné, là, en plus des 5 conférenciers, de 26 personnes. Donc, il y en a peut-être d'autres qui vont se joindre à nous plus tard. Donc, c'est normal qu'on ne se voit pas. Donc, en bas de votre écran, là, vous avez des fonctionnalités. Il y a le Q&R, qui est le question et réponse. Je vous invite à mettre vos commentaires à cet endroit-là ou vos questions. Ce ne sera pas répondu ce soir, mais par contre, ce sera enregistré et considéré pour la suite. Puis également, il y a la fonction chat, dans laquelle je vous invite à pas nécessairement discuter là. Si jamais vous avez des questions techniques, vous pouvez les faire à cet endroit-là et moi, je pourrai vous répondre. Ensuite, il y a également une fonction de lever la main, mais comme je disais tout à l'heure, il n'y aura pas de tour de parole là, donc c'est vraiment l'idée de répondre aux questions qui ont été déposées jusqu'à jeudi dernier. Et voilà comment va fonctionner la soirée. Donc maintenant, je passerai la parole à Madame la mairesse Cathy Poulin pour un mot de bienvenue. Alors, bonjour, merci beaucoup, Monsieur Fortin. Merci encore une fois d'être en grand nombre à participer à ce programme d'urbanisme, particulier d'urbanisme. Je vous remercie parce que la plupart d'entre vous avez participé depuis le début de cette démarche. Et j'aimerais aussi remercier les professionnels de l'atelier urbain qui nous accompagnent au sein de cette démarche, ainsi que M. Nicolas Lesage et Mme Charpentier à la municipalité, puis tous les autres employés qui nous accompagnent aussi et collaborent pour l'élaboration de ce programme-là, ainsi que les membres du conseil municipal. La majorité des membres sont d'ailleurs présents ce soir à cette rencontre-là, mais on ne peut pas les voir comme les autres participants. Je suis très heureuse de faire cette présentation-là ce soir, entre autres parce que ça va nous permettre d'éclaircir certains points et puis expliquer davantage là, le contenu du programme particulier d'urbanisme parce que c'est une démarche qui est, en fait, c'est un document qui est un peu complexe. C'est un outil d'urbanisme qui gagne à être expliqué et bien compris parce que ce sont vraiment des orientations qui sont à l'intérieur de ce programme-là.
et non pas des projets là, très, très, très concrets. Tous les projets qu'ils contiennent, comme on va l'expliquer plus tard, les propositions de projets doivent être analysées avant d'être acceptées ou entérinées ou concrétisées. Je préciserai qu'on a décidé de faire cette soirée d'information de façon virtuelle, simplement pour pouvoir accueillir le plus grand nombre de personnes possible. Alors, on est maintenant 32 participants. Il y en a peut-être d'autres qui vont se joindre à nous. Et avec l'exposition qui est en cours à l'église en ce moment, on n'aurait pas pu tous rentrer dans la salle en respectant la distanciation. Donc, en plus, cette rencontre est enregistrée et pourra être diffusée par la suite et sera diffusée par la suite sur le site de la municipalité, donc accessible en tout temps. Alors, merci encore pour votre présence. On va dès maintenant aller de l'avant avec la présentation par Mme Rocher du programme particulier d'urbanisme du secteur de la Sapinière. Merci, Mme Poulin. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Je me présente, Stéphanie Rocher. Donc, je suis urbaniste pour l'atelier urbain, la firme qui a été mandatée pour accompagner la municipalité dans l'élaboration du programme particulier d'urbanisme de la Sapinière. On est une firme spécialisée en aménagement, puis on a fait plusieurs PPU là, au cours des dernières années, donc des PPU qui sont notamment comparables à celui-ci. Donc, avant de commencer la présentation, je veux juste revenir sur qu'est-ce qu'un programme particulier d'urbanisme. Donc, un PPU qu'on appelle, je vais parler de PPU tout au long de la présentation, c'est un outil qui est prévu par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui vise à planifier de manière détaillée un secteur, souvent un secteur central, comme c'est le cas ici, qui suscite une attention toute particulière. Le PPU, d'être le secteur d'une vision d'aménagement, c'est souvent une vision sur 10, 15 ou 20 ans, donc c'est assez long terme. Puis, il se donne aussi des moyens pour réaliser la vision, donc notamment des nouvelles réglementations d'urbanisme, par exemple des activités permises ou des types de bâtiments, ou encore différents projets qui pourraient être concrétisés ou des aménagements publics qui pourront s'implanter dans le temps. Encore une fois, des projets cohérents avec la vision qu'on a établie. C'est vraiment une vision globale du secteur, comme Mme Poulin le disait, et non des projets concrets, donc tout demeure à évaluer. Je rappelle que la municipalité n'a pas besoin d'être propriétaire pour se doter d'une vision d'aménagement d'un territoire. Par exemple, en 2016, la municipalité a réalisé un PPU pour son cœur villageois, puis elle n'était pas propriétaire de la majorité des terrains. Donc, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet justement qu'il y ait un PPU. En fait, un PPU est souvent des terrains qui sont majoritairement privés. Donc, ça fait déjà quelques mois qu'on travaille sur l'élaboration du PPU. Depuis l'automne dernier, en fait, on a débuté par un bref diagnostic, une analyse générale du territoire. On a pu dresser les grandes lignes de l'historique du secteur, des tendances démographiques, de la municipalité, de l'environnement naturel, de l'environnement bâti, de la mobilité, de la réglementation actuelle également, dans le but de faire ressortir les enjeux. On a par la suite réalisé une vaste démarche consultative qui se déroulait en trois temps. Puis, vu qu'il y avait la pandémie, tout s'était malheureusement virtuel. Premièrement, on a lancé un questionnaire en ligne où on a vraiment pu, à ce moment-là, saisir l'engouement des citoyens pour le développement de ce secteur-là, puisqu'on a reçu 1256 répondants. On a par la suite animé une séance de consultation publique avec des ateliers participatifs, puis sensibles, les dépôts des mémoires, qui ont tous été lus et analysés. Ça a été très enrichissant. On a pu élaborer une vision d'avenir en s'appuyant notamment sur cette démarche-là, donc vision que je vais vous présenter ce soir. On commence donc le processus d'adoption, le processus qui a commencé début juin, là, il y a quelques semaines de ça, par l'adoption du projet de PPU par le Conseil. Donc, le projet de PPU que vous avez sûrement lu, donc qui est en ligne sur le site de la municipalité. Ce soir, on est à la séance d'information, qui est un complément à ce qui est demandé par la loi. C'est vraiment juste pour vous informer des grandes lignes du PPU puis de répondre à certaines questions qui ont été posées. Dès demain, vous pourrez envoyer vos mémoires à la municipalité jusqu'au 7 juillet. Dû à la pandémie, c'est cette consultation écrite-là
initier la consultation publique prévue par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. C'est seulement suite au dépôt de ces mémoires qu'on va pouvoir modifier le PPU sans avoir à recommencer tout le processus d'adoption. Donc, si vous avez soumis des commentaires ou des suggestions durant cette première phase, depuis les deux dernières semaines, vous devriez faire part de vos commentaires dans ce dépôt de mémoire là, qui dure du 23 juin au 7 juillet pour qu'on puisse tenir en compte vos commentaires, vos questions dans la version finale du PPU. Suite à ça, selon les décisions qui vont être prises par le Conseil, des modifications vont pouvoir être apportées au PPU pour ensuite arriver vers l'adoption du PPU comme tel. Donc, on va passer du projet de PPU au PPU. Suite à ça, dans les trois mois qui vont suivre l'entrée en vigueur du PPU, la municipalité va élaborer un règlement de concordance qui est la mise à jour des règlements d'urbanisme, qui vise à traduire les objectifs du PPU puis à bien encadrer le développement. Il va y avoir une consultation publique sur ces règlements de concordance-là, mais conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le PPU et ses règlements de concordance ne seront pas soumis au processus d'approbation référendaire par les personnes habiles à voter. Donc, pourquoi le secteur de la sapinière? Il y a plusieurs éléments qui ont fait en sorte que la municipalité a voulu se doter d'une vision pour le secteur et puis revoir ses règlements d'urbanisme. Premièrement, il y a la croissance résidentielle puis plusieurs projets d'envergure qui exercent une pression sur le milieu. C'est l'un des derniers terrains développables du cœur villageois. Donc, la municipalité voulait vraiment maîtriser puis orienter cette croissance-là dans une vision de développement durable et innovante pour ce secteur stratégique. Il y a également le projet de l'école, donc l'arrivée de l'école par le Centre des services scolaires des Laurentides qui va construire l'école primaire de 24 classes dans le secteur de la Sapinière, le secteur qui avait été identifié comme étant le meilleur terrain répondant à l'ensemble des critères qui étaient exigés. Donc, le PPU, quand on parle du PPU, c'est vraiment ce territoire d'intervention-là qui est... le cœur de notre sujet ce soir. Donc, le secteur est situé à moins de 500 mètres du cœur villageois, qui est ici. C'est environ 5 minutes de marche. On voit d'ailleurs là, en jaune la fin du cœur villageois, puis c'est où débute le secteur du PPU. Le périmètre d'urbanisation traverse aussi le secteur, donc une partie est comprise dans le périmètre d'urbanisation, là, donc cette partie-ci. Et le périmètre du PPU, sinon, est délimité au nord, à l'est et au sud par le parc régional Val-David-Valmorin. Le site est également lié au développement du domaine de la Sapinière, donc l'hôtel de la Sapinière, qui est un fleuron touristique, comme vous le savez, là, des Laurentides, puis un symbole fort du village de Val-David. Depuis 2013, l'ensemble des bâtiments sont vacants, donc malheureusement, le bâtiment n'a pas été suffisamment entretenu et est actuellement en très mauvais état. L'opportunité dans ce cas-ci, c'est que le secteur offre un certain potentiel de redéveloppement intéressant là, sur quelques-uns de ces terrains dans ce secteur. Il y a également d'autres propriétaires dans ce secteur. Donc, on retrouve une concentration de chalets ici, qui est appelée le village suisse, puis quelques résidences, dont ceux de la Presqu'île, celles de la Presqu'île. Ce qui ressort surtout du secteur, c'est que c'est un lieu d'exception pour ses attraits naturels. Il y a plus de trois quarts du secteur qui est actuellement composé d'éléments naturels d'intérêt, donc que ce soit des boisés, des milieux humides, des ruisseaux. Puis le lac de la Sapinière qui fait également partie du périmètre du TPU, donc qui est inclus dans le territoire d'application. Dans le diagnostic, je ne voulais pas revenir... sur le diagnostic du territoire dans cette présentation-là. Mais il y a deux points majeurs qui ressortent sur lesquels la vision d'aménagement se base. Donc, premièrement, la pression immobilière qui est croissante, qui entraîne un défi au niveau des insertions dans un cadre naturel exceptionnel. C'est-à-dire que selon l'Institut de la statistique du Québec, on attend près de 900 nouveaux ménages à Val-David d'ici 2036. Comme plusieurs municipalités des Laurentides, la municipalité est dans une situation de croissance. Puisque le secteur, comme je l'ai mentionné, est l'un des derniers secteurs terrains développables du cœur villageois, puis il y a de nombreux attraits naturels et paysagers dans ce secteur, puis plusieurs bâtiments vacants également qui pourraient être développés. Ça fait en sorte qu'il devient un secteur très, très attrayant là, pour tout ce qui est le développement.
L'enjeu ici, c'est une des raisons pourquoi on voulait justement se doter d'une vision, c'est de permettre un certain développement, mais surtout de bien l'encadrer pour préserver les milieux naturels du site, protéger les paysages, le parc régional, les vues, puis mettre en valeur son caractère identitaire. Deuxième enjeu qui ressortait du diagnostic, c'est la cohabitation entre les différents usages qui pourraient être intégrés sur le site. Donc, vous le savez, il y a le projet d'école primaire qui va se construire sur une partie du secteur de la Sapinière. Il y a aussi le parc régional qui a un attrait de plus haut niveau qu'il faut aussi préserver et mettre en valeur. Donc, dans ce contexte-là, le défi, c'est vraiment de proposer un arrimage entre cette vocation institutionnelle puis la vocation récréative et naturelle du parc, avec des nouveaux usages qui vont pouvoir permettre d'accueillir une population diversifiée. Ce qui nous amène à la vision d'aménagement, donc qui répond notamment à ces enjeux-là. La vision se décline ici en deux grandes orientations. Donc, on se projette dans le futur. Comme je disais, on se donne une vision. Ici, on s'est donné une vision d'une quinzaine d'années, donc en 2035. Donc, premièrement, un secteur qui est en symbiose avec le milieu naturel et paysager. Donc, en 2035, le secteur de la Sapinière, si je vous lis, on a résumé la vision en une phrase pour les liens de la présentation, mais je vous invite quand même à aller lire là, dans le TPU la vision complète. Donc, en 2035, le secteur de la Sapinière est un environnement unique où l'innovation architecturale et les meilleures pratiques de développement durable ont été mises au service d'une intégration discrète et harmonieuse du bâti dans un secteur naturel exceptionnel. Donc, dans cette première orientation-là, on vise vraiment à protéger les milieux naturels du secteur. On veut que les insertions, les nouvelles insertions des projets s'intègrent harmonieusement dans le paysage, puis qu'ils s'inscrivent également dans l'histoire des lieux. On veut que ces projets-là puissent être d'une qualité exemplaire. La deuxième orientation, qui est la deuxième partie de la vision, c'est un secteur qui répond aux besoins d'une population diversifiée. Donc, en 2035, le secteur de la Sapinière propose une diversité d'activités qui, en plus de rassembler la communauté, améliore leur qualité de vie et rend agréable de vivre et de se déplacer de façon dans le secteur. Ici, ce qu'on mentionne, c'est la façon de transformer les espaces sous-utilisés ou ayant un potentiel de revitalisation. Quelle vocation on pourrait donner au secteur? On veut également montrer comment va s'insérer la nouvelle école puis comment on peut bonifier l'offre en équipement de sport et loisirs tout en limitant les impacts sur le milieu. Comme je disais, la vision complète se retrouve dans le PPU. Ici, on vient seulement encapsuler l'essentiel. Donc, de ces orientations-là découlent des objectifs. Dans la première orientation, il y a trois objectifs qui vont permettre de répondre à cette orientation-là. Tous les objectifs ont plusieurs moyens de mise en œuvre ou actions là, à poser pour les atteindre. Le premier objectif vise à assurer la conservation puis la mise en valeur des paysages et des écosystèmes. Donc, il y a quelques actions justement pour y arriver. Par exemple, de demander des études de caractérisation lors de la demande d'un permis de lotissement, ou encore la localisation des milieux naturels lors de la demande d'un permis de construction pour préserver au maximum les attraits naturels. On veut aussi intégrer des critères réglementaires. Bien, le PPU, en fait, propose d'intégrer des critères réglementaires pour protéger et mettre en valeur les perspectives, les points de vue d'intérêt et les percées visuelles sur le lac La Sapinière et les attraits du parc dans les différents monts. On veut, entre autres, évaluer la possibilité d'acquérir une partie des milieux naturels à protéger et les rendre accessibles au public. Le deuxième objectif ici, c'est d'assurer une intégration exemplaire du bâti à l'environnement naturel dans le respect de l'histoire des lieux. Donc, le PP prévoit de limiter les nouveaux développements uniquement dans les zones de moindre valeur écologique et où il y a des terrains ayant un potentiel de revitalisation. Donc, on va le voir dans le temps des affectations un peu plus loin, le secteur dont je parle à ce moment-ci. Il est également prévu d'intégrer des critères réglementaires pour s'assurer d'une bonne insertion des nouveaux projets de développement dans le secteur. Puis, il y a des aménagements paysagers aussi de qualité devant les bâtiments et les espaces de stationnement. Puis, entre le parc régional et le lac de la Sapinière. Les critères là, qui répondent à ces objectifs
vont être établis là, lors de l'élaboration du règlement de concordance. La municipalité souhaite également promouvoir l'agriculture urbaine dans le secteur. Dans le même objectif, mais concernant davantage l'histoire du lieu, ben, des lieux maintenant, donc si le bâtiment de l'hôtel de la Sapinière n'est pas récupérable, puis son état de détérioration avancée, il est prévu que la mémoire et l'identité du lieu soient commémorées par un projet public novateur et rassembleur, que ce soit par des aménagements ou un nouveau bâtiment. Donc, tout ça reste à définir, puis ça va être aussi selon là, une étude de l'état du bâtiment en cours, qui devra être fait éventuellement. Le PPU prévoit aussi des critères réglementaires pour que le nouveau bâtiment ait une signature architecturale adaptée et harmonisée à la qualité du milieu. Puis, ces critères-là pourront permettre de réinterpréter l'histoire et le patrimoine bâti de l'hôtel de la Sapinière. On a un troisième objectif qui est de soumettre le développement aux meilleurs principes de développement durable. C'est de plus en plus le cas pour l'ensemble des développements, mais encore plus dans le secteur de la Sapinière vu ses particularités. Donc, il y a quelques actions qui sont proposées dans le PPU, notamment d'intégrer des normes et des critères réglementaires pour encourager la construction de bâtiments qui intègrent un maximum de technologies vertes et durables, d'encourager des techniques et des aménagements qui favorisent l'absorption directe des eaux de pluie dans le sol, d'exiger des pratiques éco-responsables pour l'aménagement des stationnements, de limiter les espaces de stationnement et leur superficie également, puis de prévoir des liens de transport actif quatre saisons là, qui vont relier les divers attraits du secteur, également le secteur là, aux divers attraits de la municipalité. Donc, la deuxième orientation du PPU, comme je mentionnais, c'est de répondre aux besoins d'une population diversifiée. Donc, le secteur répond aux besoins d'une population diversifiée. Le premier objectif pour cette orientation-là était de planifier une école unique, intégrée à son environnement et suscitant la fierté de la population. Donc, le CSSL souhaite aménager une nouvelle école primaire dans le secteur. Puis la municipalité voulait vraiment encadrer cette nouvelle construction-là pour qu'elle soit le plus intéressante possible, notamment pour les élèves là, qui vont y étudier. Cet effet-là, il y a un PIA qui a été fait parallèlement au PPU, qui est actuellement en vigueur pour s'assurer que le bâtiment de l'école soit d'une architecture durable et novatrice qui s'intègre à la nature environnante. Je vous invite d'ailleurs à aller le consulter, là, c'est vraiment en lien avec le PPI. Des ententes pourront également être conclues entre le CSSL et la municipalité pour que la nouvelle école, puis son stationnement, soit partagé avec le reste de la communauté, par exemple là, les soirs fin de semaine ou l'été là, pendant la période estivale. Un des projets proposés par le PPU, c'est de prolonger la rue de la Sapinière jusqu'à l'école, puis de la réaménager en un axe de transport actif sécuritaire, donc d'intégrer soit piste cyclable ou piste multifonctionnelle qui va vraiment partir de l'entrée du secteur jusqu'à l'école. Le deuxième objectif de cette orientation était de consolider les terrains ayant un potentiel de redéveloppement pour répondre aux besoins futurs des Val-d'Avidoises et Val-d'Avidois. Donc, puisqu'il y a une très petite partie là, du secteur du PPU est vouée au développement, soit les terrains qui sont à l'entrée là, du secteur, le PPU vise à optimiser ce développement-là, notamment en intégrant des normes et des critères réglementaires pour favoriser un cadre bâti de moyenne densité, mais tout de même à l'échelle humaine, de s'assurer d'avoir une variété de types d'habitations et de grandeur de logements qui permettent l'avenue d'établissements de bien-être, comme par exemple des services médicaux, spa, massothérapie, centres de formation, etc. Pour être permis. Bien sûr, ce n'est pas l'ensemble de ces usages-là qui vont être intégrés dans le secteur, mais seulement quelques-uns donc, ont vu la place qu'il y a de disponible. La municipalité souhaite également évaluer la possibilité de construire une résidence de personnes âgées et du logement abordable pour les familles pour justement répondre à cette orientation qui était de répondre aux besoins d'une population diversifiée. Le troisième objectif est de consolider l'esprit de communauté des Val-d'Avidoises et Val-d'Avidois, puis préserver la qualité de vie des riverains.
Donc, même si le PPU prévoit des nouvelles activités puis des nouveaux bâtiments dans le secteur, la municipalité souhaitait conserver l'environnement paisible actuel. Ici, les modifications réglementaires proposées tentent de limiter au maximum les impacts de ces nouvelles activités, notamment en autorisant des usages compatibles avec les résidences limitrophes qui limitent l'animation et l'affluence du grand public, de s'assurer d'une bonne cohabitation dans les interfaces entre les nouvelles constructions et les constructions existantes. En prévoyant une vocation publique de certains terrains bordant le lac de la Sapinière, en prévoyant pas une trop grande densité sur les terrains situés entre la rue de la Sapinière et le lac pour créer une zone tampon. Le PPU prévoit également de conserver une bande riveraine au lac de la Sapinière d'un minimum de 15 mètres. Actuellement, c'est 10 mètres. Donc, pour créer justement, renforcer cette zone tampon dont on parle. Le document du PPU vise aussi à intégrer des mesures d'apaisement de la circulation sur la rue de la Sapinière notamment pour limiter l'illuminance des autobus scolaires et des automobiles. Puis encore, par exemple, d'intégrer un éclairage naturel nocturne. Finalement, le quatrième objectif vise à doter le secteur de lieux de rencontre et de détente, puis de bonifier l'offre en équipement de sport et de loisirs en phase avec le parc régional. La municipalité souhaite assurer la protection des abords du parc régional, Val-David-Valmorin, d'évaluer la possibilité d'acquérir des terrains stratégiques qui incluent des pistes de sentiers existantes, de considérer l'aménagement d'une plateforme de mise à l'eau pour les embarcations nautiques non motorisées et d'une promenade longeant le lac La Sapinière, d'aménager des espaces de détente et de relaxation dans le secteur, ainsi d'évaluer les possibilités de mettre en place un jardin communautaire, des aménagements comestibles, des sentiers glacés ou tout autre plateau sportif et espace culturel là, qui serait déterminé par notamment le service des loisirs. Donc, tout ça serait à évaluer. Le PPU prévoit aussi le réaménagement du parc de la Sapinière, donc qui est au sud du secteur, en intégrant un espace de rencontre, puis un lien direct entre le secteur de la Sapinière puis le petit train du Nord. Donc ici, ça nous amène au concept d'organisation spatiale, où on vient localiser certains des projets dont je vous ai parlé dans le secteur. Dans le secteur vert ici, on propose d'éventuellement agrandir le parc régional, donc d'évaluer cette option-là, ou encore l'aire de conservation qui est actuellement dans ce secteur-ci, afin de préserver les milieux humides, les massifs boisés existants, puis les redonner à la population. Mais secteur assuré, bien identifié, où les milieux naturels seront à préserver au maximum. Il est possible, dans cette section-ci, de construire des habitations unifamiliales, mais de très faible densité et avec plusieurs restrictions. La zone orange, ici, identifie le secteur où sera implantée l'école primaire. En jaune, le secteur dont je vous parlais, où il y a un potentiel de nouvelles constructions. Il y a peu de milieux naturels actuellement préservés, puis on souhaite une densité donc un peu plus grande que dans le reste du secteur. La ligne orange illustre le prolongement de la rue de la Sapinière, où va être intégrée une piste multifonctionnelle favorisant les transports actifs. Le PPU propose aussi de réaménager puis de marquer l'entrée du secteur à l'intersection de la rue de la Sapinière puis le chemin du Condor, donc de sécuriser puis vraiment de marquer d'entrer à la Sapinière à cette intersection-ci. La ligne turquoise identifie la bande riveraine à protéger, donc qui longe la totalité du lac de la Sapinière. Puis, dans une partie de cette bande riveraine-là, ici, donc en pointillé, le PPU propose d'aménager une promenade riveraine naturelle. Sur le terrain entre la rue de la Sapinière et le lac, le PP ici, donc le PPU propose l'aménagement d'un parc de rassemblement et de détente. C'est à évaluer. Donc, l'emplacement de ce terrain-là, là, il me semblait vraiment stratégique pour l'aménagement d'un parc, vu les vues sur le lac, l'entrée au secteur, puis l'étroitesse du terrain, qui permet pas de très gros développement.
à l'emplacement de l'hôtel La Sapinière ou à proximité, selon, comme je disais, l'état du bâtiment, il pourrait y avoir un projet public qui va commémorer l'histoire puis la présence du lieu. Encore une fois, c'est à évaluer. En bordure du lac de la Sapinière, on parlait ici où ça pourrait être à plusieurs autres endroits, là, donc d'évaluer la possibilité d'intégrer une rampe d'accès à l'eau pour les embarcations légères. Puisque ça avait été demandé notamment à maintes reprises, là, autant dans le sondage que dans les ateliers de consultation. Donc, c'est un élément qu'on veut que la municipalité veut évaluer. Finalement, le secteur en vert ligne, ici en bas, indique le réaménagement possible du parc de la Sapinière en espace de rencontre. Puis, on voit bien là, le lien direct entre le secteur et le parc linéaire. Pour ce qui est des affectations du sol, on propose 5 affectations différentes, puis les usages qui y sont associés. Donc, façon générale, il y a l'affectation de conservation ici, qui est l'affectation actuelle. Bien, les usages qui sont permis sont les mêmes qu'actuellement. Donc, on permet notamment les sentiers, on ajoute les campings rustiques par contre, puis les parcs et espaces récréatifs. L'espace naturel qui est en vert pâle, où l'on souhaite également conserver les espaces naturels, mais ici, on ne vient pas interdire le développement. Il est par contre assez restreint par divers outils réglementaires, mais comme je disais, il y a une faible densité là, qui pourrait s'y insérer. L'affectation civique en bleu, où l'on souhaite intégrer une école primaire, il y a d'autres usages compatibles avec cet établissement d'enseignement qui vont aussi être autorisés. Le nombre d'étages maximal est de 2, plutôt dans les tentations ici de 30%, alors que dans les affectations de conservation puis espace naturel, on était dans un taux d'implantation de 10%. Ensuite, on a les deux affectations à l'entrée du secteur qui sont dépourvues du milieu naturel, comme je le disais, puis où on souhaite avoir une densité un peu plus importante que dans le reste du secteur. Donc, il y a l'affectation mixte naturelle en jaune qui offre un potentiel de redéveloppement sur les terrains sous-valorisés. Mais on veut créer, comme je le mentionnais, une zone tampon entre le lac et le reste du secteur. Donc, la densité va tout de même être plus faible que dans le secteur orange, donc dans l'affectation résidentielle naturelle, avec un maximum de 2 étages puis un taux d'implantation de 20%. Certains usages commerciaux sont permis, comme les services médicaux, les soins de santé, les studios de santé pour le corps, on les spas notamment, ou encore les résidences multifamiliales avec services, comme par exemple une résidence de personnes âgées pourrait être intégrée dans ce secteur-là. Finalement, l'affectation résidentielle naturelle qui vise à accroître la densité puis la compacité du secteur. Donc ici, c'est cette petite affectation, bien, du secteur-là, zone-là, qui va être plus dense. Donc, un maximum de 3 étages, mais seulement sur 50% de la zone. L'autre 50% va permettre 2 étages maximum. Puis, il y a un taux d'implantation de 40%. On permet notamment les habitations multifamiliales ou les habitations contiguës, comme les maisons de ville, qui vont permettre cette densification recherchée. Donc, pour terminer, ici, on voit la rue de la Sapinière actuellement. Donc, une rue assez étroite avec un trottoir qui se termine, trottoir peu invitant, mais avec des vues sur le lac très intéressantes, une végétation abondante, le mont au loin, où on veut conserver justement ces vues. Puis, certains le bâtiments vacants qui bordent la rue. Qu'on propose ici, donc c'est une perspective d'ambiance qui illustre à quoi cette même vue pourrait ressembler une fois la vision établie. Comme on mentionnait, il n'y a aucun projet concret sur la table. Cette visualisation-là, elle sert vraiment à illustrer certains principes qu'on vise à atteindre. Donc, une rue à double sens avec sentier multifonctionnel ici pour piétons et cyclistes qui va mener directement à l'école. L'aménagement possible d'un parc en bordure du lac. Avec du mobilier de rencontre, du mobilier de détente, possibilité de jardin public, etc., qui va maintenir les vues sur le lac.
Le secteur ici à l'est de la rue, donc le secteur qui était mentionné comme voulant être un peu plus dense avec des bâtiments multifamiliaux de 2 à 3 étages. La visualisation ici propose des maisons de ville, mais il y a plusieurs autres typologies, comme j'ai mentionné, qui pourraient être développées. On voit aussi que les nouveaux bâtiments s'inspirent de l'architecture de l'hôtel avec, par exemple, les toits en pente, le bois qui est utilisé dans les matériaux, etc. Puis, qui sont camouflés en partie par une végétation qui est très présente. Donc, si on veut que ça demeure, permet de conserver le caractère naturel du lieu. Donc, ça faisait un tour d'horizon du TPU, donc auquel on est très fiers d'avoir participé. Je vous invite à aller le consulter si vous ne l'avez pas encore fait sur le site de la municipalité ou à aller le reconsulter suite à cette séance d'information-là. Puis je passe la parole à mon collègue Alex Fortin pour la suite de la séance. Oui, merci beaucoup, Stéphanie. On arrive maintenant à la période de questions. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous avez eu jusqu'au 17 juin dernier, c'est-à-dire jeudi dernier, là, pour poser vos questions. C'est à ces questions-là qu'on va tenter de répondre aujourd'hui. On a considéré là, l'ensemble de vos questions. C'est sûr que certaines ont été regroupées là, quand c'était similaire. Donc, ça se peut là, que vous ne reconnaissiez pas votre question, mais on tente de répondre à l'ensemble des questions. Ensuite, je vous fais un bref rappel du fonctionnement du webinaire de ce soir. Donc, en bas, vous avez la fonction Q&R, questions et réponses. C'est un endroit où vous pouvez ajouter vos commentaires ou vos questions qui pourront être considérées pour la suite. Mais on va vraiment se concentrer sur les questions pardon, qu'on a reçues jusqu'à jeudi dernier. Donc, c'est possible qu'il y ait des questions que vous écriviez dans le Q&R qui vont être répondues un peu plus tard dans la soirée. Et comme je disais tout à l'heure, le chat, c'est possible juste pour les questions techniques aux besoins auxquelles je pourrais vous répondre. Donc, comment on va fonctionner? Il y a d'abord des questions qui sont plutôt adressées ou en tout cas qui vont être répondues par Madame la mairesse Cathy Poulin. Et plus tard dans la soirée, on aurait des questions qui pourront être répondues là, par ma collègue Stéphanie de l'Atelier Urbain. Et en fait, c'est moi là, qui va poser les questions et soit Cathy ou Stéphanie là, qui vont tenter d'y répondre. Donc, moi, je vais un peu être le porte-parole de vos questions pour qu'on tente d'y répondre. Donc, on peut commencer tout de suite. Donc, on est dans la section là, des questions pour Madame la mairesse. Donc, il y a un citoyen qui mentionne que le souhait de ne pas attirer de riches touristes exprimé par la mairesse dans la presse peut apparaître contraire au contenu du PPU qui prévoit autoriser des établissements de bien-être comme les spas, services médicaux, massothérapie, centres de formation, centres d'interprétation, centres de location d'équipements de plein air, campings rustiques, kiosques touristiques, etc. Et puis, nous demande ce citoyen-là si ces usages attireront un grand nombre de touristes dans le secteur. Donc, à vous, Cathy. Oui, oui. Donc, effectivement, les questions de nature plus politique, je vais pouvoir y répondre, tandis que Mme Rocher va répondre aux questions plus techniques. Alors, ça, c'est vraiment politique et ça s'adresse véritablement à moi. Et cette question-là me permet d'expliquer cette phrase ambiguë, reprise hors contexte dans un reportage. Je me permets de dire que le journaliste m'a interviewé pendant plus d'une heure sur l'enjeu de l'expropriation. J'étais très prudente sur ce que je pouvais dire et ne pas dire, étant donné les procédures judiciaires en cours. Et le journaliste a terminé en abordant la question du PPU. À ce moment-là, l'échange était vraiment plus cordial, puis en lui répondant, je me suis laissée emporter par l'enthousiasme en expliquant l'excellente participation des citoyens à la démarche du PPU. Et j'ai mentionné que la priorité qui ressort des consultations, bien, qui ressortait là, depuis novembre, c'était le souhait de protéger et conserver ce milieu, ce riche milieu. Puis j'ai voulu dire que la population exprime également le souhait d'y avoir accès et espère une diversité d'usages pour une diversité de populations, pour des citoyens autant que pour les visiteurs. J'ai mentionné qu'on ne voulait pas seulement des touristes riches, car c'est ainsi que j'ai entendu parler des citoyens, puis j'ai nommé cet exemple-là. Et c'est ce qui fut retenu par le journaliste, car c'est ce qui frappe l'imagination. J'ai fait une erreur de débutante dans
disant cela, puis j'en conviens, alors j'en suis désolée. Maintenant que j'ai expliqué ça, pourquoi ça s'est retrouvé dans un reportage, cette phrase-là, je reviens aux faits. Ce qui est proposé dans le PPU, ce ne sont pas mes propos maladroits dans une entrevue. C'est le résultat d'une démarche de consultation citoyenne et d'analyse par des spécialistes. Ce qui est proposé dans la réglementation à mettre en place, c'est de permettre plusieurs usages compatibles avec le milieu et répondant aux aspirations de la population. Et comme Mme Rocher le dit, ça ne veut pas dire évidemment qu'ils seront tous offerts, mais ça s'inscrit dans une vision et on a répondu ensemble, la population, les spécialistes et le conseil, à savoir qu'est-ce qu'on peut imaginer dans ce secteur-là, qu'est-ce qu'on ne veut pas et qu'est-ce qui pourrait être possible. Donc, c'est ce qu'on a retenu dans le PPU. Voilà. Merci, Mme Poulin. Ensuite, il y a une autre personne qui nous a demandé ce qu'on voulait dire par « éviter le statu quo dans les défis du PPU ». Effectivement, c'est nommé ainsi là, dans le document là, sous « défi ». Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on veut dire qu'on veut éviter que ce PPU soit tabletté. C'est-à-dire, on a fait la démarche, puis on ne fait rien avec ça. On veut éviter qu'il n'y ait finalement aucune démarche faite pour mieux répondre aux aspirations des citoyens par rapport à l'encadrement de ce développement de ce secteur-là stratégique, notamment la priorité donnée à la conservation et la protection de l'environnement et des paysages. Alors, cet outil-là d'urbanisme nous permet d'encadrer le développement. Beaucoup de choses qui étaient possibles avant le sont encore, mais avec cet outil-là, on a les moyens pour s'assurer que, par exemple, la protection et la conservation du milieu est possible davantage. Merci beaucoup. Ensuite, il nous a été demandé s'il sera possible de maintenir le caractère paisible du secteur tout en accueillant de nouvelles possibilités, comme par exemple une rampe de mise à l'eau, embarcation et autres activités qui sont mentionnées dans le PPU. Comme j'ai exprimé d'entrée de jeu, c'est certain, c'est un peu complexe la démarche du PPU, le document qui en ressort, parce qu'on lit ça puis on se dit « Ah, il y a tout ça à prévoir, il y a tout ça qu'on veut faire ». Je reviens que ce sont des orientations et justement, une des orientations, c'est de respecter la qualité de vie des riverains. Donc, l'adoption de ce programme-là, le PPU, vient au contraire renforcer les outils que possède la municipalité pour faire respecter cette orientation-là de préservation de la qualité de vie des riverains. Ça ne veut pas dire que parce que certaines activités ou usages seront permis, ils vont tous se concrétiser. Certains usages sont permis dans des zones et pourtant, ils ne voient jamais le jour si personne ne les met en place, autant les promoteurs privés que la municipalité. Merci. Donc, ensuite, une autre personne nous a demandé comment le PPU traduira de façon unique et distinctive le caractère audacieux, créatif et passionné de la communauté et comment il se distinguera de la plupart des projets de développement dans d'autres petits centres urbains. Bien, déjà, le projet d'école primaire, c'est un projet enrichissant pour notre communauté et il va s'inscrire dans notre identité. Et avec le PPU et tout l'esprit du PPU, on va s'assurer justement que ce projet-là d'école reflète notre communauté et notre caractère audacieux, créatif et passionné. Pour la suite, les nouvelles idées de projets ou d'activités ou de développement proviendront de la communauté et des promoteurs. Le PPU met les balises pour des futurs projets et le centre de villégiature qui était prévu n'a pas à être exclu de ceux-ci. Le PPU, c'est le fruit d'une réflexion collective. On a élaboré ça tous ensemble et justement, les citoyens ont contribué à alimenter grandement le contenu de ce document-là. C'est le reflet des aspirations et des besoins des citoyens pour ce secteur. On peut en être fier de cette vision collective. Puis justement, je pense que ça suscite la mobilisation puis l'inspiration pour en faire un lieu qui est vraiment ancré qui continue d'être ancré dans notre patrimoine et dans le futur de notre village. Super. Ensuite, le PPU mentionne le projet d'établir des ententes avec les propriétaires riverains
pour l'aménagement d'une promenade longeant le lac La Sapinière, intégrée à la bande riveraine, aménagée de façon naturelle et perméable, ou lors de nouveaux projets, demander de céder une partie du terrain en contribution pour des fins de parc. Donc, est-il question ici que les riverains cèdent une partie de leur terrain au profit d'un développement public qui serait ouvert à tous? Pas nécessairement. En fait, la contribution pour fin de parc, c'est parfois obligatoire lorsqu'il y a une division, un lotissement de terrain ou une nouvelle construction. Si c'est le cas, ça pourra être évalué. En fait, le conseil pourra évaluer de choisir une partie de terrain plutôt qu'une contribution en argent. Et lorsque, si c'est le choix d'une partie de terrain, à ce moment-là, ça devient du terrain public, un milieu, un territoire public et qui peut viser à concrétiser certaines visions du PPU. Merci. Donc, ensuite, j'ai une personne qui a également demandé là, une série de questions. Quelle sera la gouvernance du projet de développement? Quand comptez-vous produire le plan directeur d'aménagement qui permettra de mettre en place cette vision de développement? Comment sera financé le plan directeur avec l'acquisition d'immeubles, l'acquisition des secteurs naturels, l'exécution des travaux d'aménagement? Et quel modèle d'affaires comptez-vous mettre en place pour éviter que le fardeau fiscal ne soit uniquement à la charge des citoyens et citoyennes? C'est très important, cette question-là. Bien, elles le sont toutes, mais celle-là en particulier, parce que justement, pour le moment, il n'y a aucune réponse qui est possible de faire, car tout est encore à définir. C'est une orientation de PPU et non pas un projet avec un plan d'action clairement défini, là, comme le démontrent les questions qui sont... cette question-là, là, avec tous ces éléments-là de gestion de projet. C'est le conseil qui pourra décider de définir un projet ou un autre et l'analyser. Et c'est à ce moment-là que ces questions-là pourront être répondues. Et ce n'est pas parce qu'il y a un projet qui est inscrit dans le PPU que ce sera la municipalité qui va le concrétiser. Des usages seront permis dans les zones permettant la réalisation de certains projets par des promoteurs. Donc, la municipalité ne sera pas nécessairement impliquée dans la gouvernance ou ne financera pas les projets. Ainsi, le fardeau fiscal ne sera pas à la charge des citoyens si ce sont des promoteurs privés. Et au contraire, des revenus de taxation supplémentaires seront possibles grâce à la concrétisation de ces projets-là. Donc, c'est important de comprendre qu'en ce moment, c'est vraiment juste une orientation et ça se peut que ça demeure seulement une orientation et que la municipalité ne mette pas de l'avant aucun des projets qui est inscrit dans ce PPU-là. Ça ne veut pas dire que c'est tablété parce que, par contre, il va y avoir des règlements qui vont être issus de ce PPU-là, dont un plan d'implantation et d'intégration architecturale qui va nous permettre d'encadrer le développement de ce secteur-là, ce qui n'était pas possible avant. Super, merci beaucoup, Mme Poulin. Donc, ensuite, une autre personne nous dit, puisqu'une partie du parc régional a été retirée du PPU, est-ce que la municipalité comptait récupérer cette partie qui appartient actuellement à Mme Baudry? Ça permet de préciser, en fait, une perception, c'est qu'il n'y avait pas de, il n'y a pas de terrain du parc régional qui ont été retirés du PPU. Parce que la section qui est collée sur le parc et qui est souvent considérée par plusieurs comme faisant partie du parc ne l'a jamais été. Il y avait des ententes d'accès pour ce terrain-là qui est collé sur le parc, qui était signé deux fois par année avec les propriétaires. Donc, je sais qu'il y a, pendant un certain temps, il y avait une réserve qui était mise sur ces terrains-là que le conseil a considéré en faire l'acquisition. Finalement, on a restreint la partie à être acquise à la grandeur du territoire de l'école. Mais avec le PPU, suite à son adoption, la municipalité se donne des outils, si on le désire, pour assurer l'accès légal à certains sentiers ou secteurs qui sont traditionnellement associés au parc, donc à l'intérieur desquels il y a des sentiers, par exemple. Donc, ça pourra peut-être être par l'acquisition ou ça pourra être par des servitudes. Donc, il y aura diverses options qui pourront être analysées, mais le PPU nous oriente dans la direction qui nous indique qu'on souhaite conserver des accès à ce secteur-là qui est collé sur le parc. Super, merci beaucoup. Ensuite, une personne nous dit l'intervention de la municipalité à l'aide des réserves et des expropriations dans un projet privé, déjà approuvé et supporté au départ par la municipalité,
risque fort de faire fuir les futurs investisseurs qui voudraient réaliser des projets d'envergure à Val-David. Et donc, elle demande, cette personne, comment allez-vous rebâtir la confiance des investisseurs envers la municipalité de Val-David? Mais pour parler avec plusieurs investisseurs, pour en discuter avec la Corporation de développement économique des Laurentides aussi, je pense pas que la confiance des investisseurs envers la municipalité est perdue ou soit perdue. Ce n'est pas ce que j'entends. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, il est mentionné dans le PPU que la vision vise à assurer une continuité avec l'héritage symbolique fort de la Sapinière. N'est-ce pas ce que proposait le projet de centre de villégiature? Pourquoi aujourd'hui empêcher ce projet de se réaliser tel qu'il avait été prévu et approuvé par la municipalité? Comme on l'a souvent répété, le conseil et la municipalité sont ouverts à faire des aménagements pour la réalisation de ce projet-là de villégiature. Si ce n'est pas possible, alors à ce moment-là, il y aura possibilité d'assurer une continuité avec l'héritage de Sapinière de diverses façons. Si, advenant le cas où des études démontrent que le bâtiment n'est pas récupérable, il faudra trouver d'autres moyens symboliques de rappeler cet héritage-là, comme par exemple, on le voit en ce moment avec la butte à Mathieu, l'exposition qui est en cours et le groupe qui souhaite créer un musée. Donc, il y aura diverses options qui pourront être évaluées à ce moment. Merci beaucoup. Ensuite, il nous a été demandé si la municipalité envisageait d'acquérir le barrage, notamment pour assurer une meilleure protection du lac. Oui, comme tout le monde le sait, le lac en ce moment est au cœur de l'enjeu de protection du milieu. On en est tous conscients. Pour la question de comment assurer la protection du lac, qui est démontrée, entre autres, par le PPU, il faut analyser quelques détails, quelques options pour... En fait, il y a quelques options qui sont à être évaluées, puis il y a des propositions qui seront faites au conseil. Cependant, je rappelle que c'est le Centre d'expertise hydrique qui a confirmé à la municipalité que le barrage n'est plus aux normes et qu'il doit être refait au complet. Donc, à court terme, il ne semble pas possible de remplir le lac. À court terme, j'entends là, cet été, parce qu'il faut de toute façon faire l'évaluation pour l'état de santé du lac. Et il y a de toute façon des réparations qui sont à être faites. Donc, c'est certain que pour cet été, ce n'est pas possible de remplir le lac. Ce n'est pas réaliste de penser ça. Quant aux milieux humides qui sont grandement altérés par le manque d'eau, eh bien, avec l'idée de remplir éventuellement le lac, on l'espère l'an prochain, bien, ces milieux-là vont pouvoir à ce moment-là revivre. Et puis, avec le PPU, on se donne les outils pour assurer leur protection à long terme. Merci beaucoup. Donc ensuite, quelqu'un nous a demandé pourquoi le plan d'action omet toute mention du barrage du lac de la Sapinière. Oui, alors il y a un ajout qui pourrait être fait effectivement dans la version finale du PPU. C'est pour ça que je le rappelle. Les questions que vous avez soumises pour cette rencontre d'information-là, c'est important de les resoumettre à nouveau. C'est une question légale dans le sens que ce soir, c'est une rencontre d'information et la consultation débute suite à la rencontre d'information. Donc, pour qu'on puisse évaluer vos propositions, elles doivent être soumises à nouveau au conseil. Donc, la question d'intégrer des actions pour le barrage du lac de la Sapinière, il faudrait nous les resoumettre à nouveau pour qu'on puisse les considérer, qu'on puisse considérer de les ajouter au PPU. Effectivement, c'est bien le cas. Merci beaucoup, Mme Poulin. Ensuite, une autre question. Il nous a été demandé si la municipalité comptait acquérir des terrains stratégiques qui incluent des pistes et sentiers existants et les intégrer au parc régional afin d'assurer leur pérennité et leur accessibilité au public en tout temps. En ce moment, à court terme, on ne compte pas acquérir ces terrains-là, mais avec le PPU, ce qu'on dit, c'est qu'on va évaluer la possibilité d'acquérir ces secteurs-là ou toute autre option viable comme les servitudes dont je parlais tantôt. Parfait. Ensuite, il nous a été demandé de quel était l'impact financier pour les propriétaires et s'il y avait un risque que la municipalité doive l'assumer.
Les usages présentement en cours sur le territoire visé par le PPU pourront se poursuivre dans le futur, et ça, même si la propriété est vendue. L'usage, en fait, suit la propriété. Les usages actuels qui sont liés à la propriété vont être en droit acquis tant que l'usage va se poursuivre. Et sinon, si ces usages cessent pendant 12 mois, effectivement, on peut perdre les usages, sauf s'ils sont prévus dans le PPU. Donc, il n'y a pas de risque que la municipalité doive assumer un impact financier quelconque suite à l'adoption du PPU. Super, merci beaucoup. Ensuite, il nous a été demandé quel était l'estimé des coûts de l'implantation du PPU et des nouveaux règlements de zonage que devront assumer les citoyennes et citoyens et quel sera l'impact sur la taxation. Encore une fois, cette question-là démontre un peu une mauvaise perception du PPU parce que pour le moment, il n'y a pas de projet lié au PPU autre que des propositions de modification réglementaire. Donc, après l'adoption finale du PPU par le Conseil, nous aurons 3 mois pour procéder aux modifications réglementaires en lien avec le PPU. Ces modifications-là réglementaires, c'est certain que oui, ça engendre des coûts. Elles vont être prises en charge par le service d'urbanisme de la municipalité et il faut prévoir un peu de soutien externe pour les écrire. Et ça, on en a pour quelques 1 000 $. Donc, s'il y a des projets d'acquisition ou d'aménagement qui sont évalués dans le futur, on pourra alors répondre à cette question-là, savoir quels seront les coûts d'implantation des projets là, futurs. Mais pour le moment, il y a seulement des modifications réglementaires qui sont prévues. Merci beaucoup. Une autre personne nous a demandé ce qu'on entendait par le respect des limites financières de la municipalité dans ce projet, tel que mentionné dans les défis du PPU, et comment la municipalité comptait les respecter. Bien, comme pour tout projet municipal, on respecte les principes de saine gouvernance des finances municipales. Par exemple, à chaque année, on évalue le service de la dette de la municipalité avec les règlements d'emprunt qui se terminent, ceux à venir, la fluctuation du rôle d'évaluation des revenus et des dépenses de la municipalité. Lorsqu'on a planifié le PPU, il y a différents scénarios qui ont été évalués. L'important pour le conseil, c'est qu'on puisse... En fait, lorsque vous avez vu le plan spatial qui a été expliqué par Mme Rocher, c'était important pour le conseil qui reste un espace assez important pour le développement afin de générer des taxes dans le futur, des revenus de taxes pour contribuer justement à diminuer le fardeau fiscal des citoyens. Donc, diversifier les revenus municipaux, c'est intégré dans la réflexion du PPU. C'est un secteur qui est stratégique, qui est extrêmement bien situé, donc qui peut générer d'excellents revenus de taxes. Donc, on a retenu le scénario dans le PPU qui est proposé, qui favorise le meilleur équilibre entre le potentiel de développement de ce secteur-là et la protection du milieu. Merci beaucoup. Ensuite, il nous a été demandé comment la municipalité entend respecter la capacité de payer des citoyennes et citoyens et à combien s'élève-t-elle? Bon, on sentait que cette question-là n'est pas directement en lien avec le PPU, mais je me permets de dire que l'orientation politique des dernières années par le Conseil fut de conserver les acquis, autant l'offre d'activités, de projets, l'offre de services de la municipalité, donc conserver les acquis qui assurent la qualité de vie des Val-d'Avidoises et des Val-d'Avidois, en faisant tous les efforts possibles pour que l'impact sur le compte de taxes soit le plus raisonnable. Tout le monde sait qu'il y a eu un rattrapage qui a été nécessaire pendant 2 ans. Et maintenant, on a une vision de développement là, qui vise justement à avoir une vision raisonnable de l'augmentation du compte de taxes. Merci beaucoup. Ensuite, il nous a été demandé quel sera l'impact de la poursuite et de l'expropriation totale qui sont devant les tribunaux sur la taxation. Et puis, si la municipalité avait une évaluation de la valeur totale des terrains. Il a été également demandé quel sera l'impact sur la taxation si la municipalité achetait l'ensemble des terrains. Donc, oui, le conseil et la municipalité, nous avons les montants dont nous avons besoin pour acquérir le terrain qui sera cédé au centre de services scolaires pour la construction de l'école primaire.
C'est actuellement le seul terrain qui est visé par une acquisition par la municipalité. C'est un terrain d'un peu plus de 39 000 carrés. On a vu où il est situé. En ce qui concerne la poursuite, vous savez qu'on ne peut pas répondre à cette question étant donné justement que le dossier est judiciarisé et que des négociations ont lieu. Donc, il n'est pas avisé et ce ne serait absolument pas stratégique de dévoiler quelque montant que ce soit. Merci beaucoup. Ensuite, il nous a été demandé pourquoi le PPU privilégie la densification par des logements abordables, des résidences pour personnes âgées et des bâtiments institutionnels qui devraient plutôt se situer à proximité des services du village. Bien, ces résidences-là sont une proposition parmi d'autres, parmi les usages. Et on considère que cet emplacement demeure à proximité des services du village, étant un secteur central de la municipalité. Merci beaucoup, Madame Poulain. En fait, c'est maintenant la fin là, des questions qui s'adressent de nature plutôt politique là, qui s'adressaient à la mairesse. Donc maintenant, ça sera plutôt une série de questions là, qui s'adressent à ma collègue Stéphanie, donc des questions de nature un peu plus technique. Donc, allons-y. Donc, première question pour Stéphanie. Un commentaire mentionnait que le PPU était écrit comme si les terrains du secteur appartenaient à la municipalité. Oui, bien, comme je le mentionnais d'entrée de jeu, là, le PPU intègre le fait qu'il y a plusieurs propriétaires dans le secteur. Donc, comme je le mentionnais plus tôt, donc la municipalité, elle peut se doter d'une vision d'aménagement d'un territoire puis définir les moyens pour l'atteindre, sans, comme je le disais, être propriétaire de l'ensemble des terrains. C'est comme ça que le PPU est écrit, c'est dans cette optique-là. Donc, l'essentiel là, des PPU adoptés dans les villes et municipalités du Québec actuellement vise à la fois les terrains publics et privés. C'est le cas ici. Super, merci beaucoup, Stéphanie. Ensuite, il nous a été demandé d'indiquer dans l'historique du secteur qu'en 2014, des gens d'affaires avaient acheté les terrains de la Sapinière et qu'ils en sont encore les propriétaires. Oui, merci pour le commentaire. On va évaluer le commentaire et la possibilité là, de l'intégrer dans le PPU, là, dans l'historique du document. Parfait. Ensuite, il nous a été demandé la raison de ne pas avoir utilisé des images de référence qui proposeraient des projets faits au Québec. Oui, on prend le commentaire en note. À noter, par contre, que les images là, dans le document sont vraiment à titre de référence pour faciliter la compréhension du texte. Puis, on veut vraiment pas, avec ces images-là, là, illustrer un projet qui va en émerger. Donc, c'est vraiment à titre de référence. Et on prend le commentaire en note. D'accord. Ensuite, une autre personne nous a demandé d'ajouter une analyse paysagère plus complète dans le diagnostic, incluant des données sur la topographie, le système hydrique et les peuplements végétaux et forestiers, notamment. Oui, ça, c'est revenu à quelques reprises. Donc, le mandat du diagnostic du PPU n'intégrait pas l'étude de caractérisation des milieux naturels. Donc, le diagnostic, ça avait vraiment adressé un portrait général du secteur qui nous permettait, suite à ça, d'établir une vision d'aménagement. Généralement, là, des études comme ça plus poussées sont produites suite au document de planification, une fois la concrétisation du projet en cours. Donc, on va évaluer la possibilité d'intégrer dans les moyens de mise en œuvre là, du PPU, donc dans les actions à venir, dans le plan d'action, une étude de caractérisation plus complète du secteur qui pourrait être faite. Merci Stéphanie. Ensuite, il nous a été demandé de connaître les critères qui permettront l'implantation et l'intégration d'aménagements paysagers de qualité devant les bâtiments et espaces de stationnement, ainsi que les critères qui vont assurer l'intégration exemplaire du bâti à l'environnement naturel, tout en étant dans le respect de l'histoire des lieux. Oui, les critères en matière d'architecture puis en matière d'aménagement paysager vont être établis dans le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, donc dans les PIA, lorsque le règlement de concordance va être élaboré, donc lorsqu'il va être écrit, donc qui va se produire dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur du PPU. Le PPU mentionne les objectifs généraux du règlement qui doit
par la suite traduire la vision établie dans le PPU. Donc, ces critères-là vont être éventuellement écrits. Merci beaucoup. Ensuite, il nous a été demandé d'envisager une baisse des taux d'implantation proposés, soit de 20 %, 30 % et 40 % dans certains secteurs. Oui, donc le PPU suit les meilleures pratiques en aménagement et en développement durable. Donc, on voulait du développement dans le secteur, mais le consolider et puis identifier le développement dans des secteurs qui sont conscrits pour limiter au maximum les impacts sur les milieux naturels. C'est pour ça qu'on les a vraiment insérés à l'entrée du secteur. Puis, ça correspond à la vision établie, donc de densifier les secteurs bien ciblés, appropriés, sans milieu naturel à préserver. Donc, les taux d'implantation plus élevés, là, si je reprends la carte ici, se trouve, comme je le mentionnais, là, dans l'affectation micro-naturelle avec un taux d'implantation de 20 %, ce qui n'est pas non plus très élevé. Sur le terrain de l'école, avec un taux de 30 %, puis dans l'affectation résidentielle, qui elle est un peu plus élevée avec 40 %, mais ce secteur-là correspond quand même juste à 6 % du secteur à l'étude, donc il y a quand même plus de trois quarts là, du secteur qui est voué à la conservation. Ben, majoritairement là, à la préservation des milieux naturels. Puis, à mentionner aussi là, que le taux d'implantation, ce n'est pas la seule variable qui détermine si un développement permet de sauvegarder des milieux naturels et paysagers. Il y a plusieurs autres outils qui sont présentés dans le PPU pour répondre à cet objectif-là. On met notamment là, de l'avant la réglementation discrétionnaire pour préserver, mettre en valeur les milieux naturels et paysagers. Notamment dans les secteurs plus denses. Puis on demande, comme je l'ai mentionné aussi, lorsqu'on va faire une demande de permis de lotissement de construction, une étude de caractérisation des milieux naturels. Super, merci beaucoup Stéphanie. Ensuite, une autre personne nous a demandé plus de précision sur le fait d'adopter une réglementation qui ne prévoit pas une trop grande densité sur les terrains situés entre la rue de la Sapinière et le lac afin de créer une zone tampon. Oui, donc il y a plusieurs normes qui servent dans la réglementation qui vont répondre à cet objectif-là. Par exemple, le nombre d'étages maximal est limité à 2, le taux d'implantation est que de 20 %. On augmente la bande riveraine de 15 mètres plutôt que 10 mètres. Il y a aussi la proportion d'espace naturel à conserver qui est plus élevée, la superficie des aires de déboisement qui est autorisée qui va être réduite. On veut aussi que vu aussi la profondeur des terrains dans le secteur là, entre la rue puis le lac, ces terrains-là ne sont pas divisibles. Donc, il y a juste un seul bâtiment par terrain qui est autorisé, ce qui fait en sorte que même si on veut un développement dans ce secteur-là, il ne sera jamais très dense, ce qui va favoriser là, cette création de zones tampons. Merci beaucoup. Ensuite, il nous a été demandé d'intégrer des architectes paysagistes au projet. Oui, on va évaluer la possibilité d'exiger, notamment lors d'une demande de permis de construction pour certains usages, des plans signés par un architecte paysagiste ou autre professionnel compétent en la matière. La Ville pourrait aussi demander des plans de devis signés par un architecte de paysagiste lors de projets d'aménagement plus concrets, donc lorsqu'on va être rendu à une étape un peu plus avancée là, de la concrétisation du PPU. Merci beaucoup. Ensuite, il nous a été demandé de préciser certaines vues d'exception de l'intérieur du secteur vers l'extérieur, puis également de l'extérieur du secteur vers l'intérieur, notamment les vues à partir du village. Oui, on va évaluer la possibilité d'ajouter d'autres vues d'intérieur à l'intérieur puis à l'extérieur du site. À noter qu'il est déjà mentionné que le PIA va intégrer des critères pour protéger et mettre en valeur les perspectives, les points de vue d'intérêt et les percées visuelles sur le lac, la Sapinière et les attraits du parc, dont ses monts, ses parois rocheuses et sa végétation. Donc, l'objectif est déjà là pour ce qui est de préciser les certaines vues. On va, comme je le disais, là, évaluer la possibilité de les ajuster au document. Merci beaucoup, Stéphanie. Ensuite, concernant la plateforme de mise à l'eau pour les embarcations nautiques non motorisées que le PPU propose, il nous a été demandé si nous avions évalué la topographie du lac, les milieux humides et la qualité de l'eau, si la rampe sera ouverte aux touristes et aux citoyens, ainsi qu'une estimation de l'achalandage.
Oui, donc le moyen de mise en œuvre qui indique que la plateforme de mise à l'eau est à considérer. Alors justement, il y a plusieurs études là, qui doivent être produites avant de concrétiser le projet et savoir si ce projet-là est réalisable. Donc, l'accès au lac La Sapinière, puis l'intégration d'une plateforme de mise à l'eau, comme je l'ai mentionné, est survenue à maintes reprises lors des consultations publiques et dans le questionnaire en ligne. Donc, on voulait l'intégrer au PPU, mais des études là, plus poussées vont devoir être faites pour la concrétisation du projet. Merci beaucoup. Ensuite, plus de précisions ont été demandées quant à la bande riveraine du lac La Sapinière d'un minimum de 15 mètres et si les propriétaires concernés par cette bande riveraine seront consultés s'il y a un changement de zonage. Oui, donc la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, dont le contenu est obligatoire là, en vertu des pouvoirs provinciaux, interdit les constructions, les ouvrages ou les travaux sur les rives et le littoral des lacs et des cours d'eau sur une largeur de 10 à 15 mètres là, selon les pentes. C'est ça qu'on appelle une bande de protection riveraine. La bande riveraine a respecté actuellement le long du lac La Sapinière d'une largeur de 10 mètres. Nous, on voulait l'augmenter à 15 mètres pour protéger au maximum les habitats, la faune aquatique et terrestre, puis, comme je l'ai mentionné, pour créer une zone tampon. Donc, on devient plus sévère que ce qu'actuellement, là, on demande. Cette bande riveraine-là, comme ailleurs, dans la municipalité, va demeurer sur les comme actuellement, va demeurer sur les terrains privés. Et toutefois, proposer d'évaluer la possibilité d'intégrer là, sur une partie de cette bande riveraine-là une promenade publique, soit par des ententes avec les propriétaires ou lorsqu'il y a des nouveaux projets, d'évaluer la possibilité de demander aux propriétaires de céder une partie de terrain en contribution pour fin de parc. Pour ce qui est du changement de zonage, donc la deuxième question, là, les usages autorisés dans le secteur sont ceux inscrits dans l'affectation mixte naturelle, dont les parcs et espaces récréatifs qui permettraient ce projet de promenade riveraine. Mais à noter là, qu'il y a une consultation publique là, pour le règlement de concordance qui va suivre l'entrée en vigueur du PPU sur l'entièreté des modifications réglementaires à venir. Merci beaucoup, Stéphanie. Ensuite, il nous a été demandé pourquoi on ne propose pas d'espace pour des classes extérieures dans le projet de la nouvelle école. Oui, bien, malheureusement, la réglementation d'urbanisme ne permet pas de régir ou d'exiger l'aménagement de classes extérieures dans un projet. Par contre, là, il n'y a rien à la réglementation actuelle qui empêche l'aménagement de classes à l'extérieur. Donc, ça va être vraiment une décision qui va être prise par le Centre de services scolaires des Laurentides lorsqu'il va concevoir son projet. Merci. Ensuite, il nous a été demandé pourquoi les outils éducatifs majeurs, comme un potager et des espaces de détente, sont placés près du lac et non près de l'école, et pourquoi il n'y a pas plus d'activités qui attirent les gens vers le secteur de l'école. Oui, donc les aménagements près du lac ne vont pas empêcher que l'école peut intégrer à même son terrain des potagers ou des espaces de détente pour ses élèves ou même pour les citoyens. Donc, le PIA va intégrer, bien, le PIA intègre d'ailleurs, dès maintenant, le critère à cet effet. Le règlement du zonage autorise ses usages spécifiques. Comme mentionné là, la question précédente sur les classes extérieures, on ne peut pas obliger l'intégration de potagers d'espaces de détente sur les terrains de l'école. Ça va être une décision qui va être prise par le CSSL. Puis, le PPU mentionne également qu'il va y avoir des partenariats, des possibles partenariats entre le CSSL et la municipalité. Donc, ils vont demeurer à être établis, là, c'est au PPU, pour que les aménagements de la nouvelle école, ceux qui vont être décidés lors de la conception du projet, puissent bénéficier au reste de la communauté pour les diverses activités, puis pour accueillir justement les citoyens dans ce secteur-là. Donc, ce type de partenariat devront être établis suite à l'adoption du CPU. Celui-ci ne peut pas en dicter les termes ou l'instituer dès l'adoption. Merci beaucoup. Ensuite, il nous a été demandé des précisions quant à l'implantation d'un camping rustique dont l'endroit précis, les critères d'exploitation et la densité. De ce oui, bien, sur le camping rustique qui est prévu, bien, qui n'est pas prévu, en fait, qui serait autorisé dans l'affectation conservation.
Donc, il n'y a aucun projet précis actuellement à l'étude. Le PPU se situe en amont de tout projet concret. Donc, on est à l'étape de vision. Si un projet de camping du site qui voyait le jour, l'emplacement exact serait à ce moment-là déterminé, puis seulement, comme je disais, uniquement dans le périmètre d'affectation conservation. On va évaluer si le règlement de concordance va intégrer des normes pour encadrer le camping rustique, notamment quant au nombre de sites puis les équipements à exiger. Merci beaucoup. Ensuite, il nous a été demandé pourquoi le complexe plein air en bordure du parc n'était pas inclus dans le plan d'action. Oui, bien, à notre lecture, le PPU ne traite pas d'un complexe de plein air en bordure du parc. Il n'y a aucun projet de ce type qui a été évoqué lors de l'élaboration du PPU ou dans l'information transmise. Donc, j'invite la personne qui avait posé cette question-là à peut-être, là, lors du dépôt de mémoire, d'être un peu plus précise là, quant à son questionnement. Merci. Ensuite, une autre personne nous a demandé si le changement de zonage incluait la construction de logements abordables, par exemple une coopérative d'habitation. Oui, bien, l'affectation résidentielle naturelle peut intégrer du multifamilial puis de l'affectation mixte naturelle. Puis, dans l'affectation mixte naturelle, on peut intégrer du multifamilial avec services, donc des typologies qui sont appropriées pour le logement abordable. Par contre, un règlement de zonage ne peut pas régir le mode de teneur, donc la façon dont un bâtiment ou un logement est occupé. Que ce soit une résidence de personnes âgées, des logements abordables ou une coopérative d'habitation, on ne peut pas l'exiger. Donc, à noter que l'objectif 2.2 du CPU mentionne qu'une évaluation pourra être faite quant à l'intégration, justement, de logements abordables dans le secteur. Différentes façons d'arriver à cet objectif vont pouvoir être évaluées par le Conseil. Donc, la possibilité, notamment, de les régir par usage conditionnel lorsque le règlement de concordance sera fait. Merci beaucoup. Ensuite, il nous a été demandé d'expliquer ce que signifie la densité brute maximale fixée entre 5 à 25 logements à l'hectare dans le périmètre d'urbanisation et de 0,1 à 2 logements à l'hectare à l'extérieur. Oui, bien, ça signifie premièrement que la densité permise dans le périmètre d'urbanisation, donc il y a une petite partie là, du secteur, dans le sud du secteur, est plus élevée. Puis, ça permet donc des terrains de plus petite superficie que dans le reste du secteur du PPU. Ces normes-là sont issues de la réglementation actuelle, sont également issues du schéma d'aménagement révisé de la MRC des Laurentides puis du plan d'urbanisme. La municipalité n'a donc pas le choix là, de respecter ces normes réglementaires-là. Puis, on ne modifie pas cette densité dans le PPU, elle reste la même qu'actuellement. Parfait. Une autre personne a demandé comment on va nous assurer que le développement commercial répond aux orientations et objectifs de qualité du milieu de vie qui est souhaité dans ce PPU. Ça, bien, ça se fait par les usages commerciaux autorisés dans le secteur. Donc, on a analysé plusieurs usages avant d'autoriser ceux-ci qui paraissaient être avec les moins d'impact, puis qui étaient compatibles avec la vision. Donc, notamment les établissements reliés au bien-être. Donc, pour avoir là, les listes complètes, là, je vous invite à regarder le tableau des usages compatibles par affectation. Et ensuite, il nous a été demandé de spécifier ce que voulait dire l'expression à court terme dans le plan d'action. Oui, bonne question. Donc, vu qu'on parlait d'une vision sur 15 ou 20 ans, court terme, ça signifie 0,5 ans. Moyen terme, 5-10 ans, puis long terme, 10-15 ans. La concordance réglementaire, là, comme on l'a déjà mentionné, par contre, doit se faire dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur du PPU. Donc, les modifications réglementaires qui sont énoncées dans le plan d'action, eux, vont se faire à très court terme, mais le reste vont être établis selon l'échelle que je vous ai donnée. Merci beaucoup. Ensuite, il nous a été demandé si le PPE et les règlements de zonage sont une expropriation déguisée. L'expropriation de certains terrains du secteur, incluant le terrain de l'école, sont légales. Le PPE et les règlements de zonage qui en découlent sont des outils de planification et de réglementation prévus par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, donc également légales. Les terrains qui ne font pas partie de l'expropriation en cours ne font pas une expropriation déguisée. C'est le règlement de concordance là, qui va suivre, ne va pas priver les propriétaires de la jouissance des attributs d'un droit de propriété sur un bien. C'est encore possible, là, notamment, de faire bon nombre d'usages
comme l'indique le tableau des usages compatibles par affectation. Parfait, bon. Parfait, merci. Puis ensuite, il nous a été demandé de préciser ce qu'était un programme d'acquisition d'immeubles et ce que voulait dire la possibilité d'acquérir tout immeuble situé dans ce secteur pour l'aliéner ou le louer aux fins décrites dans le présent document. Oui, programme d'acquisition d'immeubles qui est souvent assez mal compris ou assez complexe. Donc, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet, via un PPU, à une municipalité de disposer de plus grands pouvoirs d'acquisition d'immeubles dans un secteur qui est dit central, comme le PPU de la Sapinière. Le programme d'acquisition d'immeubles est ainsi inclus dans la très grande majorité des PPU. D'ailleurs, le PPU du cœur de la joie de Val-David comprend ce même programme d'acquisition d'immeubles. La municipalité peut ainsi acquérir ou aliéner des immeubles non pas à des fins uniquement municipales, comme elle le peut actuellement le faire, mais également à des fins parapubliques ou privées. Elle peut notamment acquérir un immeuble afin de réaliser ses propres projets ou encore de les rendre disponibles à la réalisation de projets de développement en lien avec les objectifs du PPU, de détenir et d'administrer l'immeuble, d'exécuter les travaux d'aménagement, de restauration, de démolition ou de déblaiement requis sur l'immeuble, puis finalement d'aliéner ou louer l'immeuble aux fins prévues, ce qui veut dire qu'un immeuble acquis peut ainsi être revendu ou loué à un particulier qui en a besoin pour réaliser un projet conforme au PPU. C'est des pouvoirs qui permettent de créer un levier efficace, puis de faire lever certains projets privés qui correspondent à la vision du PPU. Puis les projets doivent avoir un impact déterminant sur le développement du secteur, tout en contrôlant les coûts municipaux. Actuellement, il n'y a aucun projet concret qui est visé par le programme. C'est juste, en fait, pratiquement une technicalité. Comme je le disais, la plupart des PPU incluent ce programme-là, cas où qu'éventuellement, là, il y a des projets qui pourraient être intéressants, qui arrivent sur la table, puis qui répondent à la vision du PPU. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, ça fait le tour, en fait, de toutes les questions qu'on avait prises là, jusqu'à la semaine dernière. Il y a quelques spécifications qui ont été demandées là, dans le questions et réponses en bas. C'est juste deux petits éléments là, que je vais vous poser là, à Stéphanie et Mme Poulain. Donc, tout d'abord, pour toi, Stéphanie, là, par rapport à la question de l'intégration d'un architecte paysagiste, il y a une spécification à savoir que la question était plutôt à l'effet d'intégrer au sein d'ateliers urbains un professionnel en architecture du paysage pour l'élaboration du PPU. Donc, je ne sais pas si tu pourrais spécifier par rapport à cette question-là. À l'atelier urbain, on est vraiment une firme d'urbanisme et d'aménagement. On collabore souvent avec des professionnels en architecture de paysage, mais comme je le mentionnais ici, puisqu'il n'y a aucun projet concret encore sur la table, un architecte paysagiste pourra par la suite être intégré au projet lorsque ces projets-là vont arriver. Pour ce qui est du diagnostic, là, par exemple, une étude de caractérisation, même chose, un architecte paysagiste pourra être intégré lorsque ces études-là pourront être faites. Mais pour la vision d'aménagement, on a été des urbanistes ou des designers urbains sur le projet. Ensuite, une autre petite spécification quant à la coopérative d'habitation. Est-ce que celle-ci est autorisée dans le zonage du terrain de la Sapinière? Est-ce que ça va le permettre? Comme je le mentionnais, un règlement de zonage ou tout autre règlement ne peut pas régir la teneur d'un bâtiment. Donc, il n'est pas, on ne peut pas en faire, mais on ne peut pas l'exiger. Donc, en fait, nous, on vient, par exemple, autoriser le fait qu'il y a du multifamilial. Donc, souvent, c'est ce type de typologie qui est fait, mais le règlement ne peut pas demander qui est une coopérative d'habitation dans le secteur. Mais ça va permettre, excuse-moi. Mais ça le permet. Mais ça permet. Ça ne l'interdit pas. Les résidences multilogements vont être permises dans certaines zones.
Merci Exact. beaucoup. Je pense que c'est plus clair. Et puis, d'autres questions qui, je crois, ont toutes été répondues. Une autre question qui était, est-ce que la municipalité va lancer des appels d'offres pour choisir les développeurs immobiliers pour les petits comme pour les grands projets à venir? Je crois que ça a été répondu, mais peut-être qu'il faut le rappeler. En fait, ce que j'ai dit, c'est que pour le moment, il n'y a vraiment pas de projets qui sont sur la table autre que l'adoption du PPU puis les modifications réglementaires. Donc, dans le plan d'action, il y a certaines propositions, mais il faudra qu'elles soient évaluées, chacune d'elles. Et si le conseil décide d'aller de l'avant avec l'évaluation d'un projet, à ce moment-là, effectivement, il pourrait y avoir certaines actions comme des appels d'offres pour choisir un promoteur pour un projet en particulier. Mais on est loin de là. Là, pour le moment, c'est vraiment juste l'adoption du PPI. Super, merci beaucoup à vous deux. Ça fait le tour en fait des questions là, qu'il y avait dans la boîte de questions. Il y a d'autres commentaires là, qu'on va prendre en note. Là. Tous les commentaires qui s'y retrouvent vont être notés, mais je crois qu'au niveau des spécifications et des questions, tout a été répondu. Donc, merci à tout le monde. Et maintenant, je laisserai la parole à Stéphanie là, pour me parler des prochaines étapes en lien avec le PPI. Oui, ben, je voulais juste rappeler ce que je disais d'entrée de jeu, là. Donc, n'hésitez pas à formuler vos commentaires puis vos suggestions lors de cette phase de dépôt de mémoire. Je rappelle que c'est une consultation écrite qui est la consultation publique prévue par la loi et l'aménagement et l'urbanisme. Donc, si vous avez des questions ou commentaires, même s'ils ont déjà été formulés là, à la municipalité dans les 2 dernières semaines pour cette séance d'information, c'est vraiment les mémoires reçues qui vont pouvoir être considérées. Donc, n'hésitez pas à soit bonifier ce que vous nous avez déjà envoyé ou réenvoyer des mémoires jusqu'au 7 juillet. L'adresse apparaît à l'écran. Vous pouvez aussi aller les porter ou par la poste. Donc, que ce soit par courriel ou par la poste. Et si je peux me permettre, excuse-moi, par mémoire, ça n'a pas besoin d'être très élaboré, ça peut simplement être une ou deux questions, là, un Ça peut être un préambule. courriel avec Oui, un c'est ça. paragraphe de Donc, commentaire. simplement envoyer à nouveau les questions, ça va être considéré. Effectivement. Donc, suite à ça, le conseil va se rassembler de nouveau pour regarder quelles modifications sont apportées au PPU pour adopter sa version finale, puis suite à ça, les règlements de concordance vont être réalisés. Donc, encore une fois, merci d'avoir Ah, une participé à petite ce conseil. dernière question. Désolée, Ah! Stéphanie. Non, vas-y. On aimerait savoir à quelle date sera accessible la vidéo de la soirée, donc approximativement. Ça va être, ben Alex, c'est à toi de me dire, en fait, Ah, la en semaine fait, la prochaine. vidéo va être extraite là, suite à la soirée de ce soir et ensuite elle sera envoyée à la municipalité. Dès demain, en fait. Donc, ensuite, je ne sais pas là, à quel moment vous souhaitez la mettre en ligne. Donc, à moins qu'il y ait quelque chose qui se passe, à moins qu'il y ait un Pépin imprévu, c'est le mot technique. que je cherchais, ce sera disponible en ligne demain sur le site de la municipalité. Super. Donc, ça fait le Parfait. tour de toutes les questions. Merci encore d'avoir participé à la séance d'information ce soir. J'espère que ça a éclairci plusieurs de vos questionnements. Puis on a bien hâte de lire là, les commentaires que vous allez pouvoir nous faire parvenir dans les prochains jours. Cathy, je te laisse le mot de la fin. Et simplement, un grand merci pour votre participation. C'est vraiment, comme toujours, ça démontre l'intérêt de la communauté pour le développement de notre beau village. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne soirée.